filles, coucou les garçons, me voilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc moi, ça va. Je suis très, 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 très fatiguée. Donc je vous fais ce haul. Comme ça, j'aurai une vidéo pour mercredi. Donc voilà, donc on est lundi aujourd'hui, premier jour de garde de loisirs. Allez, go! On va commencer par quoi? La journée s'est bien passée, les enfants. Je suis fatiguée comme jamais, mais voilà, ça s'est bien passé. Appréhension, mais ça a été. Mais je peux vous dire, à deux, il y a du boulot. Il y a du boulot. Ouais, là, waouh. Nanou va me frotter tout à l'heure parce que j'ai vraiment mal au dos. Allez, go. On va commencer par le plus petit produit. Donc ça, j'ai acheté ça à Rennes. Donc je ne sais pas. Je l'ai essayé sur ma main, mais je ne sais pas si, j'espère que c'est bien. Donc, c'est un truc pour... Attendez, faut que bien je vous lise. Donc, elle m'a expliqué, c'est pour hydrater votre lèvre, entre parenthèses. Donc, c'est écrit dessus, Fat Yol, c'est de l'huile. Donc, voilà, et en même temps, ça me servira de gloss. Je vais l'ouvrir parce que de toute manière, je vais l'utiliser. Le... Comment on appelle ça? C'est pas donné, hein? J'ai payé ça 8 euros et quelques. Regardez. Il est assez gros, ok. Donc je ne vais pas mettre dessus puisque j'ai du rouge à lèvres, mais franchement, j'ai trouvé ça cher. Mais bon, on verra. Qu'est-ce que ça va faire sous mes lèvres. Deuxième produit, j'ai commandé ça sur la box. Donc c'est censé être, entre parenthèses, un cadeau. Parce que sinon, j'aurais perdu mes points, 40 points. Donc, j'ai commandé et j'ai payé les frais de port, je crois que c'est 4 euros et quelques, ça a augmenté, 4,50 euros. Donc, voilà. Donc, c'est comme si j'ai payé le produit, 4,50 euros, on va dire. Donc, là, c'est Check Matte, soin visage matifiant, peau mixte à grasse. Donc, voilà. Et je crois que c'est fait, je ne sais pas si c'est celui-là qui est fait à la tomate. Zéro huile minérale et vegan, non testé sur les animaux. Donc voilà, regardez. Attends. Je ne sais pas si. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez déjà testé ce produit. Donc je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne sais pas pourquoi c'est écrit soin visage matifiant. Peau, enfin, grasse, mix à grasse, matifiant. J'espère que ce n'est pas un produit pour. Bon, je vais quand même ouvrir pour recommencer. Ah non. C'est juste blanc. Ok. Donc, j'avais dit, soit je le prends pour moi, soit je le prends pour offrir à quelqu'un. Allez, go, c'est parti. Deuxième produit que je kiffe, qui coûtait 90 euros, les filles. Mais, je ne l'ai pas payé 90 euros. Enfin, je regrette sans regretter, puisque j'avais déjà fait beaucoup de dépenses avant. Mais si je pouvais prendre le rouge et le gris chiné, j'aurais pris. Quand j'ai envie de me sentir à l'aise. Mais par contre, vu le prix, je ne sais pas si j'irai travailler avec. Une fois peut-être. Donc, j'ai acheté un jogging, les filles. Ça coûtait 90 euros. Je vous le montre. 90 euros. Ok. 90 euros. Et c'est la marque Saison 1865. C'est la marque du printemps ou Galerie Lafayette. Je ne sais même plus. Oh my God! Printemps, c'est la marque du printemps. Donc, franchement, c'est super, super, mais épais. J'aime bien à l'intérieur, ok. Donc, ça veut dire que je peux le mettre l'été, mais je pense que j'aurai chaud. Donc, regardez, comment c'est. Voilà, simple. Hein? C'est vraiment simple, mais qualitatif de ouf. Donc, j'ai payé, j'ai pas payé 90 euros, j'ai payé 45 euros. Donc, il y avait moins 50% dessus. D'accord? Ils appellent ça les prix ronds, entre parenthèses. Il y avait d'autres choses, mais c'est ce que je voulais. Le rouge, quand même, c'est tapon. J'adore le rouge, hein, mais je préfère prendre le vert, déjà. Surtout que j'ai des sacs verts en ce moment. Donc, voilà, les enfants. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Saison 1865. Voilà. Je pense pas que j'aurais mis 90 euros dedans, mais les 45 euros, j'avais chaud déjà, mais je l'ai pris quand même. Donc voilà. Et le dernier produit,
C'est le colis, je vous avais dit, le jour que je me suis fait une petite crise d'énervement contre le monde. Voilà le colis. Donc, il est un peu gros pour ce qu'il y a dedans. Donc, je ne dois pas le mettre sur le lit. Donc, je vais l'ouvrir ici. Je vais le chercher ce matin. Voilà. En plus, le carton est ouvert dedans. Merci. Voilà. Le carton est ouvert dedans. Donc, ça coûtait 204 euros. Vous voyez, c'est quoi? Voilà. Donc, comme j'avais expliqué dans le vlog, ils l'ont commandé dans un magasin à Lille. Je l'ai acheté sous Zalando. Donc, ce que je vais expliquer, Zalando, franchement, ils abusent. Je ne vais pas les traiter de voleurs, mais bon, c'est limite. Pourquoi? Parce que je vais souvent sous Zalando regarder à gauche, à droite. La paire de trucs était à... Ils mettent des fois le truc à 169 euros. Et comme par hasard, il n'y a que ma pointure qui est à 204 euros. Même pas 3 jours après, ils ont remis d'autres chaussures, mais dans d'autres couleurs. Enfin, il n'y en avait pas dans la taille, comme par hasard, il y en avait dans d'autres tailles. 230 euros, 228 euros, 228 euros, les noirs. Est-ce que c'est normal? Je ne comprends pas. J'ai fait des photos, j'espère que je vais pouvoir les trouver et les mettre dessus. Franchement, si vous allez chez Zalando, il y a des bons plans, mais... Zueté, scrimé, parce que des fois tu te demandes si c'est pas toi qui perds la boule. Mais franchement, je trouve que c'est abusé. C'est vraiment abusé. Donc voilà, je vais vous montrer quelle couleur que j'ai pris. J'aime bien Zalando, hein, mais c'est abusé. Donc, déjà, le paquet est comme ça. Oh my god. Je pensais même qu'il était plus foncé. Regardez la couleur. Donc, c'est l'autre qui est plus clair. Donc là, il est plus fond. Il est clair. Donc, voilà. Donc, ça fait un petit moment que je voulais des hugs. C'est la première fois que j'ai des hugs. J'ai déjà acheté des hugs pour ma fille. Oh la vache. On dirait que c'est mou. Voilà. Je ne vais pas le salir au cas où si je change d'avis. Regardez le truc. Attends. Là-dessus quand même. La deuxième paire, il y a ça avec le truc. Il y a aussi voilà. La deuxième paire, la voici. Je regarde quand même s'il n'y a pas de problème dessus, hein, parce que là avec eux, on sait jamais. Mais ça paraît bien gros, hein. La vache, ils se sont pas trompés de peinture. Taille 39. Ça paraît vraiment, vraiment, vraiment gros. Oh, oh my god. Franchement, les franchement, les filles. Regardez. Je ne sais pas si je trouve ça beau. On dirait des pattes de sabot, de comment ça s'appelle? On dirait des pattes d'éléphant, de cheval ou je sais pas quoi. Oh, par contre, c'est super agréable, hein, la vache. Regardez, il y a de la moumoute là-dedans. Regardez. Et en plus, c'est ce qu'il me faut pour mes orteils, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas, je trouve ça tellement énorme. Pourtant, j'ai toujours mis des chaussures énormes. Peut-être si c'était comme ça, ça serait mieux, non? Dis-moi ce que vous en pensez. Franchement, regardez. Je vais l'essayer encore. Parce que normalement, ça doit sauver ma vie. Parce que les filles, je galère avec mes bosses. Je serais obligée de me faire opérer. C'est vraiment... C'est agréable. Mais... Je trouve pas ça esthétique du tout. Oh la vache, on dirait des chaussures
On devait des pieds de monstre. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment. Donc, il faut que je montre à Lorraine pour savoir si je le renvoie ou si je le garde. Parce que je suis vraiment bien dedans. Là, franchement, quand je mange dedans, je suis à l'aise. Je suis à l'aise, mais... Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. On dirait un pied à cochon. Donc là, je vais le remettre dans la boîte pour ne pas le salir. Je vais remettre tout ce qu'il y a dedans. Ouais. Comme ceci. Tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà les enfants. Je ne peux pas dire que je suis enthousiaste. Je ne peux pas dire du tout que je suis enthousiaste. Voilà. Ouais, je ne peux pas dire du tout que je suis enthousiaste ou que voilà. Donc je vais le mettre dans sa boîte et peut-être je vais le renvoyer parce que là, ça me plaît pas du tout. Franchement, si je suis bien dedans, hein, mais no way. Je cherche le papier de renvoi. Ah, il doit être dans le grand papier. Voilà. On va fermer ça comme ceci, tranquillement. Voilà. Donc voilà les enfants, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'activer la petite cloche. Et je vous dirai si vraiment, si je l'ai renvoyé ou pas. Franchement, je suis déçue. Mais moi, en ce moment-là, j'ai vraiment du mal à choisir les choses. Allez, les enfants. Allez, bonne semaine. Bonne fin de vacances pour ceux qui vont en vacances. Moi, ça continue le boulot. Allez, gros bisous. Kimberlette Pamoli. Bye bye. Bye bye. Je suis dessus. Mais c'est quoi cette fille qui est toujours déçue, là?